Aujourd'hui, je rencontre Nathalie Nadon, une comédienne et l'une des membres du trio Les Chiclettes. Elle nous parle de sa carrière et la vraie vedette de ses plateformes sociales, son fils. Alors, suivez-moi. Bonjour Nathalie, comment ça va? Ça va bien. On te connaît comme animatrice, chanteuse et maman sur les médias sociaux. On va rentrer dans le, oui. dans le nerf de la guerre. Tu es une maman et selon moi, tu n'es pas la star de tes plateformes sociales, c'est ton fils. Je sais, Émile Barber que je salue. Oui, mon fils il a 3 ans et demi. Commence l'école au mois de septembre déjà, parce que évidemment en Ontario, les enfants commencent à l'âge de 4 ans. Puis je me disais, mon Dieu, c'est trop jeune, pas en tout, là. Non, il est prêt. Il est prêt. Il sait qu'il va prendre l'autobus. Tu l'as préparé, je suis certaine. Oui, je l'ai un peu préparé, mais il y a comme un goût d'apprendre, je trouve, qui est surprenant à cet âge-là. Fait que... Puis oui, c'est la star de mes plateformes, parce que il est trop cute. Puis les gens me disent, est-ce qu'il va faire du showbiz? Non. S'il veut. T'es certaine? Oui, s'il veut, mais moi, j'ai pas envie de lui faire des auditions. Okay. Parce qu'en fait, c'est très drôle, il est très animé pour la caméra, mais je suis pas certaine que je l'amènerais dans une audition qui serait capable d'être aussi naturelle. Je pense qu'il serait un peu gêné par les caméras, les lumières. Je pense que ça l'énerverait un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est pour le bonheur de tous, gratuitement, sur les réseaux sociaux. Bien, il est très le fun. On le voit dans plein de tes photos. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant qu'on voit sur la plateforme, surtout Instagram? Oui. On voit vraiment que non seulement il est la star, mais on est dans une famille artistique. Tu es chanteuse, oui. Ton mari est un pianiste, puis bon, on a une petite vedette en devenir que tu penses qu'il ne sera pas dans le... Fait de la claquette. Qui veut de la... Ah, bon, super! Mais tu es mariée avec un pianiste qui t'accompagne souvent sur scène. Oui. Puis comment vous êtes rencontrés? En fait, ce qui est très drôle, c'est que tout le monde me parlait de Michael Barber. Avant que je le rencontre, j'ai toujours le même prof de chant qui me disait, il y a plus de 10 ans passés, « Ah, tu devrais vraiment travailler avec ce gars-là, Michael Barber, ça serait bon pour toi pour répéter des trucs. » Je faisais des spectacles avec un autre pianiste, puis à un moment donné, il m'a dit, « Écoute, je vais devoir manquer quelques représentations et tu devrais travailler avec Michael Barber. » Ensuite, fait que tout le monde, là, j'ai le coup d'œil, c'est qui ça, Michael Barber? Donc, ceci étant dit, à un moment donné, je me suis mis à l'appeler et pendant presque un an, on a joué au chien et au chat parce que, au chien à la souris, c'est-à-dire au chat à la souris. Voyons, je suis mêlée dans mes animaux. Où mon fils, en tout cas, vous avez fait le tour. On a fait le tour. Et finalement, on n'était pas disponible, ça ne marchait jamais. Et finalement, on a travaillé ensemble et on s'est rencontrés officiellement, on dit tout le temps, on s'est rencontrés dans un bar gay pendant Pride à Toronto, le gros samedi soir où tout le monde sort et c'est la grande fête. On jouait dans un petit piano bar. Et si on dit, par exemple, et je dis ça avec beaucoup d'amour, que les anglophones sont un petit peu plus by the book conservateurs, mettons que cette soirée-là, là, il n'y en avait pas. Oh boy! Il est devenu francophone. Oh mon Dieu, il est devenu francophone. Et c'est quelqu'un qui connaît énormément plein de trucs de musique, autant jazz que francophone, surprenamment. Donc, ça a été comme l'étincelle artistique et de fil en aiguille, ben. Vous formez un couple et une belle famille. On forme un couple, là, depuis 10 ans, on est mariés, puis voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets que j'ai instaurés qui incluaient Michael parce que j'avais la chance de travailler avec lui. Et c'est rare qu'on travaille ensemble, en fait, à l'extérieur des projets que moi, je concocte dans ma tête. Donc, on en profite à ce moment-là pour travailler ensemble. Deux artistes ensemble, c'est super. Ouais. Sur tes plateformes sociales aussi, on sait très bien que tu fais partie du trio Les Chiclettes. Choubidoui! Puis, comme je peux voir, tu portes la tenue vestimentaire qui est très appropriée pour les Chiclettes, le boléro. Le fameux boléro. Oui, exactement. Qui est le signature look des Chiclettes, en fait. Il manque la fleur, là. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai l'ai sur ma robe, mais en fait, je portais déjà des boléros, il faut dire. Mais c'est vrai, les Chiclettes, pour les gens qui ne nous connaissent peut-être pas, on est 3 filles de Toronto. Et on est un trio vocal inspiré du son des Andrew Sisters. Mm-hmm. Les Andrew Sisters, un groupe mythique des années 40, qui chantait en harmonie très, très serrée. Donc, nous, on s'est inspiré de ça. Et évidemment, comme dans tout projet que je pars dans ma tête, j'ai jamais de budget, moi. Alors, quand on a commencé les Chiclettes, on se disait, on ne pourra jamais se permettre des costumes rétro des années 40, comment on va faire. Et donc, on a décidé d'y aller avec la simple petite robe noire qui, dans des coupes années 40, et on se disait,
on va changer juste notre top. Mm-hmm. Donc, des fois, on a des boléros comme ça, des fois, on a des petits vestons, toujours inspirés du style des années 40. Mm-hmm. Et finalement, c'est devenu un peu, c'est vrai, notre signature, parce que sur scène, nous n'avons que 3 valises, 1 valise chacune. Et dans cette valise-là, toute bien pliée pour en mettre le plus possible, on a des fleurs qui est agencée, évidemment, à nos, avec top, les boules. À nos top. Donc, c'est ça, en fait, côté style des chiclettes sur scène, ça a l'air de ça. Puis, les chiclettes, ça a connu un succès fou. Il y a vraiment un engouement pour les années 40. Puis aussi, vos voix sont superbes. Vous avez gagné 2 triards. Ouais. Puis on vous voit un peu partout d'ici jusqu'à New York, jusqu'à Wawa. Ouais, là, les gens sont toujours un peu mêlés. On est 3 filles de Toronto, mais dans les chiclettes, on a des alter ego. Huguette, Simone, ça c'est moi et Vivi. Mm-hmm. Et nos personnages viennent de Wawa en Ontario. l'idée, c'était qu'on voulait que les personnages viennent de l'Ontario. On se disait, qu'est-ce qui est bien, bien loin, que dans les années 40, ça ferait comme encore plus loin. Mm-hmm. Donc, c'était toute une affaire dans nos têtes de comédiennes de se dire, bien, en 1940, 3 filles de Wawa se sont parties de là, se sont rendues à New York. L'aventure est encore plus ardue, ce qui fait que le payoff, quand on arrivait à New York, dans notre spectacle, c'était vraiment gros. mais c'est drôle parce que quand on fait des spectacles, surtout en Ontario, il y a des gens qui viennent voir « Hey, moi, je viens de Wawa! Je suis tellement contente! » On est comme « En fait, non, c'est nos personnages, un peu mêlants. » Mais oui, c'est vrai qu'on a un beau succès. On est allé récemment à la White Horse en spectacle. On est allé en France cette année. On était allé en 2011. On s'est promené dans presque toutes les provinces, en fait, et on est retourné même à quelques reprises, évidemment en Ontario, mais dans d'autres provinces. Au Québec, on a joué à Juste pour rire. Donc, oui, c'est un beau succès. C'est une belle école, je devrais dire aussi. École parce que on s'entend que avec tous les talents que j'ai, je suis pas danseuse, OK? Et donc, dans les chiclettes, on danse beaucoup. Non, mais c'est important de le dire. Et donc, dans les chiclettes, bon, même mon personnage, dans les premières années, Simone ne dansait pas. Et sur scène, je faisais un petit peu comme exprès pour mal danser, puis ça créait des choses très, très drôles. Mais donc, il y a cette école-là d'apprendre, disons, un autre facette du métier. Bon, pour moi, danser, les harmonies, de travailler 3 filles comme ça, toujours à faire des harmonies, c'est pour l'oreille, c'est bon, on travaille fort. On écrit nos chansons, pas toutes nos chansons, mais on écrit beaucoup de chansons. Moi, j'écris les textes, évidemment à partir des idées de mes muses, Geneviève et Julie Kim. Donc, mais aussi, c'est que tu as 3 femmes fortes, qui ont des forces dans des domaines différents. Il faut mettre ça, tout le monde ensemble, dans la même salle. Fait que mettons que Michael Barber, quand il est au piano, puis là, on part dans une discussion, mais il y a trop d'estrogène en scène. Ah, girls. Puis là, il nous dit, je vais faire un appel. T'sais, ici, il faut qu'il parte. Mais il n'y a jamais eu de chicane ou rien de ça. Mais des fois, on est comme, ouais, mais telle affaire. Puis ça bouillonne beaucoup, mais on apprend aussi à gager, à miser sur les forces de l'une et de l'autre. Moi, je sais que quand il faut aller en tournée, c'est pas moi là qui m'occupe de booker, de trouver des deals. Ça, c'est Julie Kim. Julie Kim, là, tu veux une van, kilométrage inclus, qui coûte pas cher, elle va la trouver, OK? Puis elle fait le personnage de Huguette. C'est l'organisatrice dans la gang, puis elle met ça à profit. Alors, ça veut dire que vous utilisez vos qualités même sur scène? Oui, oui. Dans vos personnages? Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais on mélange un peu quand même, okay. Tu sais. Donc, oui, c'est ça. Donc, on essaie autant du côté business, parce que les chiclettes, c'est quand même une entreprise. À la base. D'utiliser les forces de chacune. Comme Geneviève, elle me dit tout le temps, moi, Nathalie, écoute, faire des réseaux sociaux, demande-moi pas ça, j'ai aucune idée comment faire ça. Fait que c'est sûr que je vais pas demander à Geneviève d'alimenter notre page Facebook. Par contre, quand c'est le temps de relire les demandes de bourse, puis de picocher, puis de dire « Ah, non, on devrait mettre tel mot », Geneviève va le faire. Julie Kim va s'occuper de faire les budgets. Moi, je vais faire plus les relations de presse, parce sinon, on n'y arriverait pas. Mm-hmm. Donc, c'est une belle école côté business, puis aussi sur scène de travailler, de développer cette synergie-là des 3 filles ensemble. Oui, il y avait déjà ça, mais fallait le travailler. Oui, c'est normal. Ça commence, on va retourner un petit peu en arrière. Les chiclettes, ça a commencé comment? Parce qu'on connaît le succès. Puis moi, je t'ai connue, on a travaillé ensemble, il y a belle lurette. Mais, puis on te connaît beaucoup comme chanteuse de jazz, mais
ce trio-là dans les années... On est quand même dans les années 2000, puis retourner en arrière. Ça va faire... Ben, en fait, ça fait 8 ans déjà. Wow. Donc, en 2009, on avait soumis notre candidature à l'événement Contact Ontarois, qui est un événement de, comme tu sais, un salon de promotion de spectacle. Ouais. Et on a été choisis et on nous a dit, vous devez monter une vitrine, donc un showcase, un petit spectacle de 20 minutes, tu sais. On avait comme 2 chansons, pas de problème. Fait qu'on s'est garoché et c'est vraiment cet événement-là, je pense que ça a été... Le déclic. Le déclic, mais aussi la vision de l'équipe de Contact Ontarois. Quand ils nous ont vus en audition, ils ont fait « Ah, ah! » Parce que c'était pas monté avant? Bien, on a envoyé une audition, on a envoyé 3 chansons, on a envoyé quand même quelque chose, mais c'est ces gens-là qui ont vu au-delà de du théâtre mal filmé, tu sais, parce que du théâtre, c'est jamais bien filmé, là. Donc, ils ont dit, on n'a jamais vu un trio comme ça en Ontario français, on n'a jamais entendu cette musique-là en Ontario français, donc il y a de la place. Fait qu'il y a eu la vision de l'équipe à l'époque de Contact Ontarois qui nous ont donné une vitrine, mm-hmm. et il y a eu aussi le fait que nous, ben, on avait, je pense, quelque chose de le fun et qui s'était jamais fait. C'est vrai. Et c'est comme ça, et là, on a gagné plein de prix qui nous ont permis d'aller tourner dans d'autres réseaux de spectacles, et là, de fil en aiguille, la France qui va dans le réseau plus de l'Acadie nous a vus, on a décroché un contrat là, tu sais, donc ça a fait vraiment boule de neige. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est bien, mais faut pas dire « Ah, on a 25 spectacles, OK, hey, we made it ». Donc, c'est de continuer et c'est de durer à travers les années. Puis ça, c'est dans le métier, c'est dans n'importe quel métier, mais dans notre métier… C'est encore plus important. C'est encore plus important comment se réinventer, comment être toujours pertinent. Nous, on travaille dans le rétro, la nostalgie. Donc, les gens nous disent « Bien, est-ce que c'est pertinent de faire ça? » Bien, oui. Tout d'abord parce qu'on écrit quand même au moins 50 % de notre répertoire. Donc, wow. On écrit des chansons jazz, franco-ontarienne, si tu veux, là, si on veut juste penser comme ça. Mm-hmm. On écrit la musique, on arrange. Les textes, c'est tous des textes originaux, donc il ne faut pas oublier ça. Il y a tout un travail en arrière. Mm-hmm. Puis quand tu parles de ça, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Puis toi, tu es une femme entrepreneur. Je disais tout à l'heure, en pré-entrevue, sans que tu le saches, mais je disais que je trouvais ça intéressant que tu n'as pas mis dans ton profil, parce que, tu sais, on regarde, on essaie d'avoir toute l'information avant de passer en entrevue les gens, mais dans ton profil, il manquait entrepreneur. Selon moi, tu es une entrepreneur. Oui, c'est vrai. Puis c'est drôle parce que quand je vais dans des événements puis les gens me demandent de me décrire, je suis comme « non ». Fait que je suis tout le temps comme « bonjour, mon nom est Nathalie Nadon, je suis comédienne » parce que ma formation de base, c'est en théâtre. Je suis comédienne, chanteuse, auteur-compositeur. Là, j'en nomme, je fais ben, finalement, là, je suis artiste multidisciplinaire. Je sais plus quoi dire, mais c'est bon, peut-être je devrais dire entrepreneur artistique ou quelque chose comme ça. Ben oui! Peut-être ça se résumerait bien à ça. Ben oui, ça collerait tout, je tout, tout. Je note tout de suite, je vais sortir mon téléphone. Puis comment tu trouves ça, comment une femme franco-ontarienne qui se démarque dans un trio de filles, est-ce que tu trouves ça dur ou tu trouves que vous êtes fait une place puis il y avait vraiment une niche pour vous? Oui, il y avait une niche pour... Nous autres, on était beaucoup dans l'action, on était un petit peu, en fait, même en réaction à tout mm-hmm. ce qui nous arrivait. Fait Geneviève le décrivait bien à un moment donné en entrevue. Elle disait, c'est comme si les chiclettes, on est là, puis nous autres, les 3 filles, on est en arrière, puis on court comme des malades. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé en 2013, quand on a reçu des prix de meilleur groupe et découverte de l'année, qui est comme un peu artiste émergent, si tu veux. On était là, Puis là, on s'est dit, ben, ah, oh, OK, ça veut dire que oui, il y a une place pour ce genre de musique-là, de cette forme d'art-là, parce qu'on fait quand même beaucoup de la variété. Mm-hmm. La musique est au cœur de ça, mais c'est beaucoup de la variété. Fait que oui, il y a de la place. Vous l'avez créée, cette place-là. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est drôle. Les gens me demandent souvent, « Ah, les chiclettes, est-ce que vous êtes des féministes? » Bien, écoutez, là, tout le monde. Même si on ne veut pas être politico-féministe, on est 3 filles, on joue 3 filles, puis nos thèmes, c'est des affaires de filles. C'est ça. Fait que oui, en quelque part... Puis c'est 3 femmes de tête. On n'est pas là à faire des gros statements puis à les battre. Pas de revendication. Non, mais en même temps... Vous passez un message, par exemple. On est ce qu'on est, là. Exactement. Puis c'est ça. C'est ça. Puis vous êtes des femmes. On s'entend? Oui. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que vous avez lancé une campagne propre aux femmes qui s'appelle « Je m'aime ». Puis j'ai trouvé ça fort intéressant parce que tu disais dans une entrevue que tu as été victime de bullying.
Puis on s'entend, sur les médias sociaux, il y a le cyberbullying. Ouais. Puis pour contrer tout ça, je trouve que c'est un beau message, la campagne « Je m'aime ». Oui. Bien, c'est drôle, en fait, parce que c'est dans un cours de théâtre à New York, quand j'étudiais là, dans ma jeunesse à New York City. C'est lors d'un cours de théâtre, notre prof nous avait demandé d'écrire notre biographie. Puis là, on était là, voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'étais trop jeune pour l'écrire. Bien, j'avais 25 ans, puis elle disait, non, l'idée, je veux vraiment juste que vous écriviez. Puis elle dit, il y a des affaires que vous allez sortir, puis de d'autres affaires que vous n'allez pas sortir, parce que, voyons, vous avez 3 jours pour faire ça. C'était pour comme pour le prochain cours, si tu veux. Puis c'était pour se mieux se connaître, tata, puis bon. Puis moi, j'ai commencé à écrire, puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti, mais je me suis rappelée qu'au secondaire, au début de mon secondaire, j'avais été victime de taxage sans savoir. Puis en fait, c'est à 25 ans que j'ai fait « Mais mon Dieu, c'était du taxage, mais dans le moment présent… » À l'époque, c'était pas connu. C'était comme pas à mode, là, ouais. Je sais pas. Puis là, je me suis dit « Bien, voyons donc, moi, Nathalie Nadon, qui est comme tellement pas… » Je me suis dit « Voyons, je suis comme pas vraiment une bonne victime de taxage, voyons, c'est ça. » Fait que c'était comme un peu étrange, puis ça m'est toujours resté ça. Puis j'ai fait wow. « Bien, voyons donc. » Donc, bon, c'était pas si pire que ça, parce que je m'en suis quand même assez bien sortie, là. Mais je me suis mis à penser aux gestes, puis j'ai fait « Wow! » C'était vraiment du taxage à cette époque-là. Et je me souviens très bien du moment où ça a arrêté. C'est un des professeurs qui a vu, là, qui a vu qu'est-ce qui se passait entre des enfants de secondaire 1 ou de 8e-9e année, là, si tu veux. Et c'est elle qui a mis fin à ça. Et finalement, c'est comme parti, tu sais. Donc, ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'on a parti la campagne hashtag je m'aime, mot-clé que je m'aime. C'est que nous, les Chiclets, on a une chanson qui s'appelle « Grève au trop parfait ». Et faire la grève au trop parfait, de s'accepter comme on est. Et ça part du fait que nous, les trois filles, pour ceux qui nous connaissent, on est premièrement faites de corps différents, d'énergies différentes. Et on est toutes les trois dans le showbiz et on est toujours confrontées à notre image. On passe des auditions, on ne l'a pas eu, on n'est pas assez grande, on n'est pas assez belle, on a passé de belles formes, on a trop, on a selon passé... Selon le standard. Selon le standard de je ne sais plus trop qui. Donc, on a écrit cette chanson-là, c'est Geneviève et Julie Kim qui l'ont écrit, et on s'est dit, quand on va lancer une vidéo, on va faire une campagne hashtag je m'aime, regardez la vidéo, puis dites-nous sur les réseaux sociaux pourquoi vous vous aimez. C'est pas obligé d'être physique. Puis il y a eu tellement de... de réaction, mais non, j'en regardais, je découvrais ça, puis j'ai dit « wow ». Puis ça vous a amené une autre visibilité. Bien, ça a juste amené une visibilité où les gens disaient « wow, les artistes, OK, c'est le fun, vous pouvez utiliser… » On s'entend là, ça s'en vient la notoriété interplanétaire pour les Chiclets, mais pour l'instant, même notre humble petite plateforme, on s'est dit « bien, nous, on veut faire quelque chose ». Et donc, cette année, ça faisait déjà… 2 ans que le vidéoclip avait été lancé, on s'est dit, on va faire une campagne, encore hashtag je m'aime, mais on va offrir une bourse de perfectionnement d'études. Donc, on a les 3 candidats qui ont été choisis. Là, on va dévoiler bientôt. Bientôt aussi? J'aimerais ça, mais je peux pas. On va dévoiler on va vous qui donc. Suivre, oui, c'est ça, qui donc va recevoir cette bourse-là. C'est une bourse de 500 $ mais on sait déjà que l'année prochaine, on va le refaire. Et nous, on aimerait que ça devienne quelque chose qui va durer, je sais pas moi, 25 ans, 100 ans. Super. Et parce que c'est la bourse « Je m'aime », oui, c'est lancé par les Chiclets, mais mettons là que les Chiclets, un moment donné, il y en aurait pu, pour peu importe la raison. La bourse, elle a pu continuer parce que, oui, c'est lancé par les Chiclets, mais elle va pouvoir quand même être gérée parallèlement du trio vocal. Mais pour l'instant, c'est nous qui l'amenons de front. Puis à un moment donné, si jamais il y avait... les Chiclets ne fonctionneraient plus pour quelque raison que ce soit, Nathalie, Julie Kim et Geneviève pourraient tout de même continuer ce projet-là. Quelle a été la réaction? Je sais que la réaction a été très positive sur les médias sociaux, mais est-ce qu'il y a un message en particulier qui t'a vraiment touché sur Facebook, Instagram? En fait, c'est un petit peu drôle parce que les gens nous disaient « Hein? Les artistes, t'as pas d'argent. Comment tu peux donner 500$? T'as pas d'argent. » Mais non, écoute bien chose. S'il fallait attendre qu'on ait de l'argent, on ferait rien dans la vie. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'avait pas d'argent.
Moi, je suis très impliquée dans la communauté francophone de Toronto. Au niveau communautaire, j'ai travaillé avec plein d'organismes à contrat pour eux, en faisant différents jobs, parce que je suis entrepreneur artistique. Et donc, je suis allée vers ces contacts-là, puis j'ai dit, écoutez, fait qu'il y a des gens qui nous ont donné des dons de 50 $, il y a des gens qui nous ont donné 100 $, wow. Il y en a qui ont donné plus, puis je me dis, ça, c'est juste dans ma gang autour de moi. Là, j'ai pas pensé, j'ai pas fait un plan d'affaires pour l'année prochaine. Alors, c'était comme instantané, oui. Instinctif. Fait que le monde a fait « Ah ouais! » Fait que je me dis, j'espère que ça peut inspirer pas juste des artistes, mais n'importe qui a le goût de donner à sa communauté. C'est pas toujours obligé d'être en argent. Ça peut être en temps, ça peut être en bien, yes. Même. Mais moi, je pense qu'il faut pas attendre d'avoir des milliers de dollars parce qu'on fera jamais rien. Fait que nous, les Chickens, on a commencé à petite échelle, puis on se dit « Ben, l'année prochaine, ça sera peut-être 1000 $. Ça sera peut-être deux bourses de 500 $. Ça sera peut-être… » Ça peut évoluer. Oui, puis déjà, je parlais avec des gens du Collège Boréal à Toronto. Je me disais, hey, wow. Ça serait intéressant qu'on s'associe. Est-ce qu'on pourrait offrir des deuxièmes prix ou des choses comme ça? Fait que je pense que c'est un beau projet. Puis ça fait un petit peu décrocher un peu de la folie de, oh mon Dieu, je vais-tu avoir des contrats? Je vais-tu travailler? Je vais... Ça, c'est complètement autre chose. Puis c'est pour l'autre. Les artistes, comme... souvent, c'est. Tu sais, on donne pour le public, mais il faut être nourri. Mais ça, c'est vraiment pour nourrir les autres. Nous, on va trouver les sous, puis. On donne autant qu'on peut. T'sais. Est-ce que vous allez annoncer la gagnante sur les médias sociaux? Ben oui, c'est sûr. Voyons donc. Vous l'avez lancé sur les ben médias sociaux. Ben oui, c'est sûr. Oui, absolument, absolument. On va annoncer ça sur les réseaux sociaux et aussi pour dire aux gens, ben ça a fonctionné. Là. Il y a des gens qui se sont inscrits. Fait que l'année prochaine, ben déniaisez-vous. Inscrivez-vous. On a parlé des chiclettes, mais je sais que tu as beaucoup de projets solo. Attends, je vois une petite gorge d'eau, là. Elle va me lancer là-dedans. Oui, vas-y, continue. Tes projets solo, il y avait Amandine et Rosalie, qui a été un grand succès avec les enfants. Oui. Que j'ai adoré. J'étais même pas. Je suis plus une enfant, on s'entend. Oui. Mais j'ai absolument adoré. Puis, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Mais là, Amandine et Rosalie, là, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite en 2012, le conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, qui s'appelle maintenant le conseil scolaire Mon Avenir, n'est-ce pas? C'est eux qui nous avaient commandé une pièce de théâtre. Puis moi, je devrais pas dire ça, là, mais souvent, les gens m'appellent et ils me disent « Nathalie, as-tu un spectacle en banque pour telle affaire? » Oui, 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 clic, je raccroche, puis là, je suis là. Hey, j'ai tellement rien, là. Je travaille un petit peu de même. Les chiclets, c'est ça aussi. Donc, ceci étant dit, finalement, cette pièce de théâtre-là a fait une trilogie. Ça a été trois différents spectacles, toujours avec Amandine et Rosalie pendant 3 ans. On a tourné partout en Ontario. Là, l'agent des chiclets vend le spectacle. Puis là, le spectacle, des fois, les chiclets, quand j'étais enceinte, j'avais une doublure parce qu'on avait plein de spectacles. À un moment donné, là, wow. À un mois, là, je ne pouvais plus, là, tu comprends? Donc, les filles se sont rendues à Québec. Le soir, ils ont fait un spectacle des chiclets. Puis le lendemain matin, ma doublure et Julie Kim, qui jouaient toutes les deux Amandine et Rosalie, le lendemain matin, ils ont fait des spectacles d'Amandine. Écoute, si ça, c'est pas business, moi, entrepreneur artistique. Okay, pour une femme, c'est particulier. C'est quand même! Puis je suis enceinte, là! OK? Fait que... Ça m'a bien caché. Parce que je regardais ça sur les plateformes. T'as pas mis beaucoup de photos, mais... J'ai pas mis beaucoup de photos, mais j'ai quand même fait... C'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même fait 24 représentations en 17 jours dans une tente à 100 degrés de chaleur au Festival Juste pour rire enceinte. Et il faut le faire. Heureusement, Véronique Fournier, qui est ma doublure, était sur place, puis on jouait 2 fois 45 minutes, puis on avait une demi-heure entre les deux. Wow. Puis des fois, dans la demi-heure, je disais à Véronique, va te changer. C'est pas que j'avais mal au ventre, j'avais mal aux genoux. Ben oui. Parce que quand t'as 6 mois puis tu danses, choubidoui, la jambe en l'air, je venais que j'avais mal aux genoux. En tout cas, c'est complètement absurde. De retour à Amandine et Rosalie, on a eu une belle opportunité cette année de faire la télésérie d'Amandine et Rosalie, qui va sortir en septembre. Et donc, on a 12 épisodes de 10 minutes. Donc, c'est comme des courtes pièces, si tu veux. Et c'est Amandine et Rosalie qui se promènent partout à travers Toronto. Wow. Donc, ça met vraiment Toronto en vedette, en français, évidemment. Et dans chaque petite aventure, comme au théâtre, elles doivent travailler en équipe, elles doivent respecter, elles doivent écouter les consignes parce que c'est pour les petits de l'âge d'Émile, donc 4 à 6, 7 ans, mettons. J'ai pas encore vu des images de montage. mais j'ai vu sur le moniteur quand on tournait. C'est très, très beau. Puis... j'ai l'impression que ça va ouvrir des portes, ce projet-là. Je travaille avec ma collègue Lina Blais.
C'est elle qui a coécrit les textes. Donc, on a écrit 12 épisodes. Elle en a fait 6, j'en ai fait 6. Wow. C'est aussi mon Amandine. Moi, je suis Rosalie. C'est avec elle que j'avais créé le spectacle en 2012. Donc, c'est un beau projet qu'on tient à bout de bras. Moi, je produis tout ça. Je m'arrache un petit peu les cheveux. parce que moi, je produis, mais j'écris avec Lina, je joue avec Lina. Je m'occupe des costumes, je m'occupe des accessoires. C'est moi qui ai appelé pour réserver les lieux. C'est un peu intense. Quelqu'un qui aimerait ça être dans tes souliers, ça prend quoi? Ça prend de la persévérance, ça prend, je pense, de la patience, puis ça prend comme une vision de se dire, je l'essaye, ça marche pas, on passe à d'autres choses, tu sais. Puis il faut être capable d'investir temps et argent dans soi-même. Toujours, hein? C'est comme ça. Bien, tant mieux si on peut aller chercher des commanditaires, mais je pense qu'il faut que ça parte de nous. Souvent, il y a des gens qui vont m'appeler, qui vont me dire, « Oh, Nathalie, je peux-tu aller prendre un café avec toi? J'aimerais ça de jaser. Là, je me cherche un agent. » Ça me fait toujours plaisir de faire ça avec les gens parce que je me dis, « Ben oui, tu sais, si je peux redonner. » Il y a des gens, moi, qui m'ont aidée. Mais à un moment donné, je me suis rendue compte que c'était comme un petit peu trop. En fait, il faut faire attention. On donne de son temps. Mais à un moment donné, quand ça fait 8 rencontres, là, tu es là, « Ben, excuse-moi, mais c'est parce que... » Puis aussi, faut que toi, en tant qu'artiste aussi, tu fasses ton travail. Fait que maintenant, je fais comme une rencontre. Puis après ça, je dis à la personne, « Si tu veux... » continuer à faire des rencontres pour développer, par exemple, ton CV, je sais pas moi, ton portfolio, t'as besoin d'aide. Ben c'est comme un coaching, fait charge tant de l'heure. Puis, sais-tu, les gens, ils n'ont pas de problème avec ça. Parce qu'ils voient ça comme un coaching pour, mettons, avec un prof de chant, comme un coaching au gym, quand ils ont leur entraîneur privé. C'est la même chose, dans le fond. C'est un investissement, ben c'est un investissement, puis je me dis, ben moi, là, j'ai étudié en théâtre, mais j'ai fait beaucoup de choses autodidactes, fait que j'ai beaucoup appris sur le tas, fait que je chéris, je garde précieusement ce que j'ai accumulé. Mais ça me fait plaisir de partager avec quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Mm-hmm. Donc, c'est mon côté entrepreneuriat. Voilà, je charge. Puis, pour retourner aux médias sociaux, c'est quoi ta plateforme préférée? Certainement pas Snapchat parce que... Je suis comme pas de pantoute là-dessus. Je t'ai amené, j'étais sur Twitter, mais Twitter en français. Mais non, finalement, je trouve que c'est trop. Là. Ça va vite au bout de cette affaire-là, puis j'aimais pas ça. J'ai vraiment découvert Instagram, puis comme, bon, je me pomme sur mon fils, puis je mets plein d'affaires. Puis c'est le fun parce que tu peux comme publier en même temps des fois sur Facebook. Des fois, je publie pas nécessairement toujours sur Facebook en même temps. J'aime ça. Puis aussi... les photos sont tellement belles. Je trouve que les gens, maintenant, avec leur appareil, peuvent prendre tellement des belles photos, puis avec tous les filtres, puis tout ça. Fait que des fois, Puis c'est le fun parce que c'est moins des longs commentaires où des fois, tu te dis, pourquoi tu me parles de ça? C'est rapido presto. Là, c'est vraiment les photos, puis ça... je trouve que des fois, ça peut laisser aller plus ton imagination. Parce que quand tu as des beaux paysages ou peu importe, tu fais comme, ah, c'est cool, comment? Ah, la lumière, j'aime ça. Fait que c'est Instagram, j'aime bien ça, finalement. Je sais que tu as toujours des projets. C'est fun de te voir comme animatrice, chanteuse, danseuse, tant dans les Chiclets que dans Amandine et Rosalie. Alors, on va inviter tout le monde à te suivre. Oui, merci. Dans quelles que soient tes aventures et tes projets. Merci beaucoup. Parce que tu es une femme incroyable avec plusieurs chapeaux, puis tu fais ça avec brio. Merci beaucoup, ma chère.